Retenez votre souffle, car ce soir, je vous promets une émission haute en exploits de toutes sortes. En effet, nous découvrirons la lutte pour la vie de Bruno, de toute une équipe de médecins de l'hôpital Beaujon et de France Transplant. Le courage de Simone pour sauver de l'asphyxie son petit-fils, Sébastien, l'apprenti vendangeur. La passion pour les balades à cheval de Michael, le jeune Texan, qui l'entraînera dans l'antichambre de la mort. L'obstination de Daniel à rattraper à tout prix son catamaran fou, même au péril de sa vie. J'ai eu tort de dire au metteur en scène, au producteur, à France 2, au directeur et à tous que je voulais être dans une bulle. Eh bien voilà, je suis dans une bulle. Je suis dans une bulle, n'ayez pas peur, je n'ai pas la grippe. Je n'ai pas la grippe, je ne suis pas contagieux. Et voilà, je suis dans une bulle puisque je l'avais commandé. Alors voilà, nous allons aller comme ça, c'est pas très simple, mais c'est amusant. Ça va, ça vous plaît? Hein? Vous voudriez en faire aussi? Bien, alors écoutez, vous tous qui êtes là ce soir, évidemment, cette bulle, je vous la dédie. Nous allons aller à Chaumont, en Haute-Marne, pour voir ce que Valérie, qui voit les choses de très haut ce soir, eh bien Valérie, je suis arrivé pour vous embrasser et vous dire que je suis heureux d'être avec vous à Chaumont. Aïe! Bah oui, Michel, j'aurais tout à fait tort de m'en priver. En plus, c'est un baptême de l'air. Je sais pas si vous imaginez un baptême de l'air. Hélicoptère, toute porte ouverte, ça trouve ça fantastique. Alors, en ce qui concerne notre moyen de transport, bah, je le trouve fantastique et je connais aussi ce que c'est. Mais ce qu'on vous a peut-être pas dit, Michel, c'est que bah, la sortie, ça se fait par l'extérieur. Quelqu'un est obligé de venir vous ouvrir. Et si vous n'êtes pas très gentil, bah, je ne sais pas, peut-être qu'on ne viendra pas. Mais de toute façon, vous inquiétez pas. Il y a une autonomie d'oxygène d'une heure et demie, donc rien n'est perdu. Jusqu'à la fin de l'émission, ça doit tenir. Donc, si je suis en hélicoptère, si vous montrez Chaumont, vous savez que Chaumont, ça se trouve dans le département de la Haute-Marne. Et c'est peut-être le département le plus boisé qu'on trouve ici en France. Et bon, vous le montrez, il fallait vraiment en hélicoptère. Il y a des vallées, des forêts, on n'en peut finir. On peut faire des promenades fantastiques. On peut pêcher aussi. Chaumont, ben, c'est surtout une ville accueillante, sereine, où il fait bon vivre, tout à fait à l'échelle humaine. C'est une ville d'art et d'histoire. Vous savez que les témoignages du passé sont innombrables. Du passé plein de richesses et de souvenirs. On va vous les faire découvrir ce soir. Il va y avoir le viaduc, la basilique Saint-Jean. Il va y avoir aussi les remparts, le donjon. Et puis surtout, ce qu'on veut ici à Chaumont, eh bien, c'est qu'il y ait un équilibre entre le passé et l'avenir. L'avenir approche, c'est l'Europe en 93. Et on prépare les jeunes pour ça avec du bilinguisme. Et aussi, Chaumont, c'est la ville de l'affiche. La ville de l'affiche, c'est l'un des points de rencontre internationale des arts graphiques. Quand je vous parle d'art, vous savez que l'un de nos candidats qui va représenter Chaumont ce soir est un professeur d'art plastique. Il s'agit d'Olivier, et c'est un sportif aussi, bien entendu. Et il va faire équipe avec Odile, une jeune femme qui sait faire aussi pas mal de choses au niveau du sport. Et ils vont être affrontés ce soir, tous les deux, aux candidats de Beauvais, c'est-à-dire Franck et Sylvie. Alors, les épreuves, les quatre épreuves vont se dérouler ce soir à Chaumont. C'est une ville dynamique, et cela tout à fait à l'image de mon pilote. Un pilote que vous allez découvrir, qui n'est autre que Monsieur le maire de Chaumont, Cyril de Rouvre. Donc, je vous disais, c'est un maire dynamique, un maire qui bouge à l'image de sa ville, et ça va encore bouger ce soir. Oui, mais j'ai pas entendu grand-chose de ce que vous disiez, mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que c'est plus facile de monter en hélicoptère qu'au bout d'une corde, et je leur souhaite beaucoup de plaisir. Bah écoutez, bon courage à tous, Michel, on se retrouve pour la toute première épreuve très bientôt. Ce sera une épreuve haute en couleur, je peux dire. À tout à l'heure, Michel. Merci Valérie, à tout à l'heure. Nous allons maintenant à Chaumont, et pour sécurité, je sais que nous voyons maintenant un aqueduc. Cet aqueduc, je le connais, Valérie, je l'ai pratiqué lorsque j'étais enfant, et en bas de cet aqueduc, je faisais mes premiers crosses, comme Bruno. Et est-ce que Bruno m'entend, Michel? Très bien, Valérie. Eh bien, Bruno vous entend. Très bien. Bruno, comment ça va? Oh, mais ça va à merveille. Bah, là, écoute, on approche du périph', c'est pas un paysage ravissant, c'est pas un aqueduc. Mais enfin, c'est pas mal de le voir quand même. Ah non, mais il faudrait que tu viennes courir ici parce que c'est fabuleux. Il y a une impression de grandeur et de gigantisme. C'est vraiment fantastique. Bruno, oui. Je veux dire, je t'ai rencontré quelques jours. Il y a quelques jours, je voulais t'encourager parce que vraiment, je t'ai vu il y a très peu de temps et tu as une volonté de faire. C'est incroyable. Et ce que tu fais là, c'est la vie tout simplement. C'est un hymne à la vie. Ça, je trouve ça fantastique. Alors, bon courage c'est à vous gentil, tous. Merci. Ciao, Bruno. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Valérie, Bruno,
Donc ce soir, c'est un double duplex, ça devient extraordinaire. Et ce qu'on va faire, c'est une épreuve de haute voltige sur cet aqueduc. Il va falloir monter à peu près à 40-50 mètres, décrocher un drapeau et me le ramener. C'est le challenge. Donc, si nos petits camarades sont prêts, si Olivier et Franck sont prêts, qu'ils me le disent. C'est bon, vous êtes prêts tous les deux? Donc, je vais donner le top. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, top. Donc là, ils doivent monter à peu près une vingtaine de mètres à l'aide de poignées jumas. Donc ce sont des poignées qui ne sont pas évidentes à manier, ce sont des poignées qu'on utilise en spéléo normalement. Oui. On utilise à la fois les pieds et les bras, donc ce n'est pas évident du tout. Ils ont une vingtaine de mètres à grimper comme ça. Ensuite, ils vont récupérer des échelles de cordes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous les deux des chances égales. Parce que Franck qui lui représente la ville de Beauvais qui est habillée de blanc, eh bien est pompier professionnel, ça vous le savez Michel. Il est pompier professionnel, oui. Donc ça ne devrait pas lui poser de problème pour grimper le long de cet aqueduc. Oui, mais est-ce qu'il a l'autorisation de sa caserne, de son chef? C'est très important. Ah oui, il le supporte, Michel. Parfait. Il le supporte. Et c'est le pompier le plus rapide de la caserne de Beauvais. Vous savez que c'est Bip Bip. Oui, nous l'avons vu la semaine dernière. C'est Bip Bip. Alors pour l'instant, Olivier a pris de l'avance. Olivier aussi, c'est un spécialiste de l'escalade et du trial. Ce sont deux disciplines qui vont lui servir aujourd'hui. Alors ils vont devoir... Maintenant, ils arrivent à peu près au premier relais, c'est-à-dire qu'il faut grimper à l'échelle de corde. Alors là, il y a une espèce de micmac à faire avec les mousquetons pour se déclipper, se reclipper. Donc, c'est pas toujours évident. Et ils vont grimper. Alors, cet aqueduc, il faut que je vous explique un petit peu le temps qui s'arnache. Pourquoi il a été construit ici? C'est qu'on voulait absolument, Michel, vous le savez sans doute, que la gare de Chaumont se trouve en centre-ville. Et c'était le seul moyen, et c'était très, très important pour les affaires, le commerce, et voilà. Donc, il a été décidé de construire cet aqueduc en 1855 et il a été construit en temps record en 20 mois très exactement. Et c'est vraiment une œuvre d'art fabuleuse et gigantesque. Donc voilà, ils ont commencé à grimper le long d'échelle de corde. Qu'est-ce qui se passe là, Olivier? Cinq, la corde. Ah, tu te coinces avec la corde. Attention, prends ton temps. Prends ton temps. Voilà, cale bien les pieds sur la corde. Ne te précipite pas, ça ne sert à rien. Ça y est, Franck a entamé la montée. Vous voyez, Michel, c'est un décor superbe. C'est vraiment très, très beau. Ça y est, Franck a commencé à grimper, là. Voilà, donc ils vont récupérer le drapeau qui se trouve à peu près à 40 mètres sur la plateforme où les attendent les cascadeurs. Ils vont effectuer un pendu, ce que l'on appelle un pendule. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Et redescendre en rappel et me rejoindre dans l'hélicoptère. Le premier arrivé décolle avec moi. Michel? Michel, vous savez que ce viaduc a servi de décor à pas mal de films. Le cerveau, vous savez le film de Gérard Houry? Oui, ils ont... Avec la fameuse tête là, qui tombait sur le côté. Absolument. Il a été tourné en partie ici. C'est très impressionnant, Franck, vraiment, Valérie. Franck, qui représente la ville de Beauvais, est arrivé à la plateforme. Il va donc maintenant s'attacher et effectuer un pendule. Donc, il va venir me rejoindre dans l'hélicoptère, alors que Olivier, lui, est toujours sur l'échelle de corde, visiblement. Il a quelques petits problèmes. Allez, donc, oui. Le voilà, vous voyez, il lui reste à peu près 2 mètres à parcourir. Ce qui n'est pas énorme, mais vous savez, l'échelle de corde au niveau des bras, c'est extrêmement physique. Vous vous dépassez sur chaque jeu, ça devient regardez de plus le en plus spectaculaire. Oh, c'est beau, regardez Franck se balance. Et maintenant, il va descendre en rappel, il me ramène allez, le drapeau. Allez, on les encourage, allez. Allons-y. Allez Valérie, allez. Allez-y Franck et Olivier. Hey, vous voyez comment il descend, alors là, des sapeurs-pompiers professionnels, ça l'aide. Oh Franck, doucement. Doucement Franck. Voilà, alors Franck a une grosse longueur d'avance, là, il est en bas de l'aqueduc, alors qu'Olivier est toujours au sommet. Il n'est pas encore descendu, donc Franck, tu te déclipes et tu viens me rejoindre dans l'hélicoptère. Franck, tu gardes ton mousqueton, tu viens me rejoindre dans l'hélicoptère, et surtout, tu baisses la tête. Attention aux pales. Franck, baisse la tête, voilà. Voilà, tu peux rejoindre dans l'hélicoptère. Ça y est, Franck me ramène le premier drapeau. C'est gagné. Bravo. À tout à l'heure, Michel. Ciao.
encourageant nos deux valeureux champions. Bravo, messieurs. Bravo, à tout à l'heure. Valérie. Oui, Michel. C'est une course de voiture un peu originale, n'est-ce pas? Oui, absolument. Très originale, parce que ce sont des voitures où il n'y a pas de moteur. Ce sont des voitures à pédales, mais... Je l'ai vu. Je ne sais pas si vous avez eu une voiture à pédales quand vous étiez petit, Michel. J'en ai une et elle a été cassée immédiatement. Ah, moi, j'en ai une et moi, elle a duré assez longtemps. Ah oui. Alors, cette course, je vais vous expliquer, elle va se dérouler depuis la basilique Saint-Jean qui se trouve derrière moi jusqu'au square Philippe-le-Bon. Ça représente à peu près 1 km. Alors, les voitures, vous le voyez, elles sont relativement drôles. Elles ont des formes particulières. Il y a une forme de dé, une forme de fromage. Alors, on va les désosser. Bon, oui. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. On va les désosser, comme ça, on verra nos candidates. Allez-y, désossez les voitures et on fait ça en 2 temps, 3 mouvements. C'est pas comme une carrosserie normale. Donc, elles vont s'installer à bord des véhicules. Allez-y. Donc, je vous rappelle que Sylvie, qui est en blanc, représente la ville de Beauvais. Attention, on ne grille pas le départ, s'il vous plaît. Et Odile, qui est en bleu, représente la ville de Chaumont. Donc attention, vous êtes prêtes les filles? 5, 4, 3, 2, 1, top! Volet d'acier pour vous, un cœur d'acier. Et vous pouvez vraiment voyager comme vous le voulez. Alors vous voyez, Michel, ces voitures, vous elles sont voient, pas très bien. Vraiment... aux voitures à pédales que nous avions, nous, dans le temps. Hein. Elles oui. sont quand même beaucoup plus élaborées. Et ces voitures, bah, toutes les deux, elles nous viennent de Valentigney dans le Doubs, et elles appartiennent à la Fédération Française Voitures à Pédales, qui se trouve en Franche-Comté. Alors, dans les virages, c'est pas évident. C'est formidable le progrès, Valérie. Y a ça dérape un petit peu, parce que c'est pas fait vraiment pour... Il n'y a pas d'amortisseur, c'est pas fait aller à une vitesse grand V. Et lorsque l'on pédale, on a tendance à lever un petit peu les roues avant. Mais pour l'instant, c'est donc la candidate de Beauvais. C'est donc Sylvie qui est en tête et elle a pris un rythme d'enfer. Et oh là là, c'est la folie dans les rues là. Ça déferle les passions. Et si tous ces gens sont aussi. Là, c'est grâce à l'Est Républicain qui nous a beaucoup aidés. Il y a aussi RDS sur 94.2 qui retransmet toute l'émission. Et RDS, eh bien c'est la radio du soleil parce que même ici, si aujourd'hui il n'y a pas tellement de soleil, le soleil on l'a dans le cœur et c'est ça le plus important. Donc vous savez que les courses de voitures à pédales, il y en a quand même énormément par an. Il y a à peu près 12 000 clubs en France, ce qui est énorme. On ne s'en rend pas compte. Et il y a énormément de gens qui participent à ces courses. Parce que vous savez quel est le slogan de la fédération? C'est-à-dire que les sportifs doivent rigoler et les clowns faire du sport. Donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et pour eux, bien, l'invention de la machine à pédales, c'est la meilleure invention depuis que l'homme a appris à marcher sur les mains. Valérie. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ces clubs, Michel, c'est vraiment la folie. Valérie, alors, ramenez-moi une voiture, je vous en supplie, ramenez-la. Je la ramène. Oui, ma petite Valou, oui. Je vais demander si on veut bien m'en prêter une, mais vous savez, Michel, c'est quand même pas très confortable. Hein. Oui, ça fait rien, on s'habituera. On s'habituera? Oui. Alors vous savez qu'il y a des critères à respecter. Il faut impérativement qu'elles aient 4 roues, ces voitures, pour faire partie de la fédération. Alors que Sylvie s'est fait doubler. Elle s'est fait doubler par Odile. La candidate de Chaumont, qui a pris quand même à peu près maintenant une dizaine de mètres d'avance. Alors en plus, là, ça descend. Alors elles ont un système de frein quand même. Elles n'ont pas de volant pour guider, mais des manettes sur les côtés. Et là, c'est pas génial. Alors on va les faire arriver dans le square Philippe Le Bon, au pied de la statue Philippe Le Bon. Alors Philippe Le Bon, c'est celui qui a inventé... Oh là 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 là, attention! Attention, Sylvie, il y a quand même quelques petits problèmes d'adhérence. Oh là là, alors là, ça monte. Ça monte, c'est relativement difficile. Allez, Sylvie, allez! Encore un petit peu de nerf. Tu n'es pas complètement perdu. Allez, vas-y! Vas-y, je vous rappelle qu'on a un drapeau pour Beauvais. Allez, Sylvie! Ben, je vois que là, Odile a quand même beaucoup de facilité. On va donc arriver très bientôt au square Philippe Le Bon, qui est donc l'inventeur du gaz d'éclairage, comme je vous le disais. Et je trouve ça un bel hommage lui rendre en faisant venir ses voitures à ses pieds, car c'est quand même lui qui a inventé le principe du moteur à explosion. Donc ça y est, Sylvie! Non! Odile est arrivée, elle décroche le drapeau comme elle peut. Premier drapeau. Premier drapeau pour la ville de Chaumont. Bravo, donc pour Chaumont. L'instant, nous avons un drapeau bravo, partout, Chaumont. Un drapeau pour Beauvais, un drapeau pour Chaumont. Venez les filles. Oh là, t'as l'air d'avoir fatigué. Enfin ça va, ça va bien. Ça n'a pas été trop dur? Les pattes quand même à les cuisses, difficile. Alors après on va faire travailler les jambes, vous inquiétez pas, les jambes, les bras. Tout va aller. Je veux dire, on en réserve pas mal de surprises là, Michel. À tout à l'heure, on prépare les hommes, on arrive. Tout à l'heure, Michel. À tout à l'heure. Joignons Valérie. Michel, je voulais remercier tous nos amis chaumontais qui sont descendus très nombreux dans les rues ce soir. Nous les applaudissons, nous, sur le plateau. Et moi, je veux vous entendre aussi ici à Chaumont.
Je vous entends parce que je vous assure, Michel, je remercie nos amis Chaumontais, mais vous savez que les gens viennent depuis à peu près un périmètre de 80 km autour de Chaumont pour assister ce soir à la nuit des héros. Donc je crois qu'on peut encore les applaudir très fort. C'est une belle très, fête. Très grande fête. En plus, il y a du suspense parce que vous savez qu'on en est à un drapeau partout pour l'instant. Oui, alors allons-y pour le jeu. Il y a un drapeau pour Chaumont et un drapeau pour Beauvais. Oui, Valérie. Donc là, c'est la troisième épreuve. C'est une épreuve masculine. Donc je vous explique en gros comment ça va se passer. Il va y avoir une tyrolienne depuis la façade de l'hôtel de ville avec une arrivée gonflée, je dirais. Ensuite, ils vont enfourcher des motos. Ils ont à peu près un parcours de 3 km à effectuer. Arrivée à la fontaine de la paix. C'est un beau symbole, non? Magnifique. Donc, Michel, nous sommes prêts. Je pense que Olivier et Franck sont prêts. Donc, j'ai la ville de Chaumont à ma gauche et la ville de Beauvais à ma droite. Donc, nous allons donner le top dans un tout petit instant. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est parti. Allez-y. Alors, faites très attention en arrivant dans les airbags. Attention, hein. Prenez pas de risque. Attention en descendant. C'est la descente qui est la plus compliquée. Donc, voilà, ils ont commencé à enfourcher les motos, Michel. Oui. Alors, il y a un parcours d'à peu près 3 km à effectuer avec, bien sûr, des obstacles. C'est-à-dire qu'ils vont devoir passer dans l'eau, ils vont devoir passer dans le sable. On aura prévu des petites bosses aussi, à peu près des petites bosses de 3 mètres de haut. Mais pour qu'il n'y ait pas de problème, pour les ralentir un petit peu, eh bien, nous avons fait un slalom. Donc, pour l'instant, c'est Franck. C'est Franck qui représente la ville de Beauvais qui a pris la tête. Visiblement, il la conserve jusqu'à présent. Voilà, il passe sur une bascule. Oh là là, carrément le saut. Le saut pour Olivier qui représente Chaumont. Il a pris la tête, ça lui a permis de reprendre quelques mètres d'avance. Mais attention, c'est relativement serré. Donc là, à premier passage délicat, ils vont devoir passer dans une fontaine. Oh là 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 là, une chute sans gravité. Ça y est, Olivier est remonté sur sa moto. Il n'y a pas de problème, Michel, c'est juste un petit déséquilibre. Donc c'est parti, faire attention parce que là maintenant sa moto est mouillée, les roues sont mouillées qu'il ne glisse pas. Alors je voulais vous présenter le chauffeur qui me conduit à l'heure actuelle, c'est Sylvain Saget. Sylvain Saget, notez bien son nom parce que vous en entendrez parler je pense dans quelques années, il a 19 ans, il fait du quad. Il est 5e au championnat d'Europe super quadeur, il a participé au quad d'or au circuit Caro le week-end dernier, il est arrivé 6e et 2e française, ce qui est énorme. Oh là là, alors passage dans la terre. Je vois que Franck a repris un tout petit peu d'avance. Mais ils se tiennent, hein. C'est vraiment une belle bagarre, Michel. Regardez-moi oui, ça, ils prennent en plus la position du coureur. Ils sont super, ils rentrent la tête dans les épaules, ils s'aplatissent sur le guidon. Donc là, ils vont la devoir... La tête dans le guidon, Valérie, la tête dans le guidon. La tête dans le guidon, là, tout à fait. Ils vont donc devoir passer. Là, une butte en terre. Oh là là, Franck a loupé l'entrée. Franck, vas-y, fais demi-tour. Va tout droit. Voilà. Il va passer la première butte. Alors je voulais remercier nos amis pompiers qui nous ont aidés à effectuer ce parcours. Les pompiers sont partout, toujours. Les pompiers sont partout. Donc là, ils doivent une épingle à cheveux, tourner dans une épingle à cheveux. Oh là, attention. Voilà, donc on continue. Allons-y, donc là, ils vont devoir redescendre pour arriver à la fontaine de la paix où les attend le drapeau. Donc c'est Olivier qui est en tête. C'est bon cette soirée en plein air. Olivier, c'est... tu poses ta moto, tu viens chercher le drapeau. On vous envie. Allez, vas-y. Attrape le drapeau. Drapeau remporté par la ville de Chaumont. Bravo. Ah, Mais Chaumont ici, se bat. Ça va pas trop mal. Et la fontaine de la paix, Michel. Une poignée de main, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Super. Bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. Et dans quelques instants, nous retrouvons le catamaran fou. Si vous le permettez, Valérie, je vais rejoindre notre ami Bruno. Je vais lancer avec vous ce jeu et vous allez le présenter. Et je reviendrai avec nos amis qui sont en train de courir et qui arrivent à proximité de la SFP et de notre plateau. Michel, vous leur faites un bisou de ma part. Je le fais tout de suite. Pour les encourager. À tout de suite. À tout de suite, Michel. Donc, vous allez voir, la quatrième épreuve, c'est donc une épreuve féminine. Je vous explique, en gros, ça va être l'escalade du donjon ou alors de la tour rouge. On appelait comme ça avant. Donc, vous allez voir un petit sprint à effectuer d'abord. Donc, je vais donner le top. Attention, si ces demoiselles sont prêtes, vous êtes prêtes ? 5,
4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc voilà, elles partent. Pour l'instant, elles se tiennent. Elles ont quelques escaliers à grimper. C'est Sylvie de la ville de Beauvais qui a pris la tête. Donc voilà, elles courent encore un petit peu. Elles ont à peu près un mètre d'écart pour le moment. Donc elles arrivent. Allez-y. Sylvie a toujours pris la tête. Donc Sylvie, tu fais le tour du donjon. Tu grimpes de l'autre côté. Alors tu t'attaches pour t'assurer. Voilà, vous vous attachez. Et vous grimpez à la corde à nœud. Donc vous grimpez comme vous le souhaitez. Soit vous utilisez, vous mettez les pieds contre la paroi. Ou alors si on n'a pas trop de force dans les bras, on fait comme Sylvie. Et on utilise la corde à nœud. Alors Odile, elle pratique l'escalade. Donc elle a un petit peu, elle est un petit peu plus favorisée que Sylvie. Sylvie, elle est plutôt une spécialiste du triathlon. Donc je vois Odile, Odile a pris à peu près un mètre d'avance maintenant, elle arrive dans le filet. Donc Odile, Odile va grimper, alors Odile fais bien attention, positionne bien tes pieds. Positionne bien tes pieds parce que les pieds restent coincés dans le filet. Aide-toi avec tes bras. Vas-y Sylvie, hisse-toi aussi avec tes bras. Hisse-toi, ça va t'aider. Allez-y. Alors vous savez qu'elles ont beaucoup de chance, hein. Elles ont beaucoup de chance, ces jeunes filles, parce qu'elles vont arriver là-haut et du haut du donjon, il y a une vue superbe. On voit toute la vallée et c'est fantastique. Et là-haut, en plus, il y a le drapeau de la Nuit des Héros, alors ça, c'est génial. Donc, Odile a toujours à peu près un mètre d'avance sur Sylvie. Sylvie a des petits problèmes. Visiblement, elle a les pieds coincés. Sylvie, si tu m'entends, essaie de mettre tes pieds dans le filet tout en t'appuyant sur la paroi. Ce sera plus facile. Alors là, vraiment, Odile monte vitesse grand V. Hein. C'est vraiment... vraiment sans aucun problème apparent pour Odile. Je vous rappelle qu'on a deux drapeaux déjà pour Chaumont, un pour Beauvais. Allez Sylvie! Allez Sylvie, si tu m'entends, je sais que tu m'entends. Allez, vas-y! Allez, vas-y! Tout Beauvais te regarde là. Vas-y Sylvie! Vas-y! Donc cette tour, vous savez qu'avant c'était une ancienne prison. Elle servait pour guetter un petit peu tout ce qui se passe aux alentours, bien entendu. Parce qu'en général, les tours servaient pour ça. Et en particulier les donjons. Mais celui-là, vous avez remarqué, il est carré. Et c'est une particularité. Voilà, Odile. Odile arrive au sommet. Odile, il va falloir que tu passes au-dessus de la rambarde. Au-dessus de la rambarde pour décrocher le drapeau. Alors là, nos amis Chaumontais sont déchaînés, là. Allez-y, encouragez vos candidats. Allez-y. Vas-y, Sylvie. Alors attention, ne prends pas de risque. Va doucement, va doucement. De toute façon, ne t'inquiète pas, nos amis cascadeurs sont là, ils sont là pour t'assurer, il n'y a aucun problème. Tu peux leur faire confiance. Qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Odile, vas-y. Vas-y, Odile, accroche-toi au filet, hisse-toi jusqu'au sommet. Tu passes la rambarde. Troisième drapeau remporté par la ville de Chaumont. Chaumont remporte la quatrième épreuve. Michel, nous ferons le décompte des drapeaux tout à l'heure. Le plateau. Oui. Oui, Michel. J'ai vu, et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que j'ai déjà vu des chrysanthèmes dans ma vie, mais des gros comme ça, jamais. Oui, bien, ce sont des champions du monde. Ce sont. Ah, des champions du monde. Oui, des champions du monde. C'est bien le Goflash qui nous a fleuri ce soir. Et ce sont des serres de. Ce sont des serres de Château Renaud. Et ce sont spécialement des fleurs qui nous ont été amenés par nos amis des serres de Château-Renaud. Voilà. Vous m'en gardez une, Michel? Écoutez, vous aurez une brassée de ces chrysanthèmes. Donc, sur 4 épreuves, 3 ont été remportées par la ville de Chaumont. Donc, qui est vainqueur? Chaumont! Chaumont! Allez, je vais vous entendre. Bravo, faire Chaumont. La fête. Allez, manifestez-vous, ah, Chaumont. Valérie, les champions autochtones ont vraiment une pression qui les porte. Absolument, mais vous savez, bravo Michel, à Beauvais aussi. C'est difficile parce que pour nos amis de Beauvais, il fallait impérativement remporter 3 épreuves pour gagner ce soir. Et 3 épreuves sur 4, c'est pas évident. Hein. Ils l'ont fait la semaine dernière, ils l'ont pas fait cette semaine. Je sais pas si vous le ferez la semaine prochaine à Bagnoles de l'Orme. Ce sera Bagnoles de l'Orme TC. Je voudrais avoir le sentiment de Cyril Lerouvre, qui est le maire de Chaumont, qui nous a suivis toute la soirée. C'est une belle soirée, je crois, c'est une belle fête. Hein. Ah, c'est une fête fabuleuse et je crois que tous les Chaumontais en sont contents. Mais d'ailleurs, ils m'ont chargé de vous remettre quelque chose. C'est ça. Et puis surtout de vous embrasser.
Est-ce qu'ils avaient tous envie de le faire? Merci beaucoup. Valérie, attention. Nous avons je ne me disperse pas, Michel, je ne me disperse pas. Nous avons d'autres émissions à absolument. Faire. Absolument. Monsieur Amsalem aussi nous a rejoint. Monsieur Amsalem, vous avez suivi aussi toute l'émission avec nous et je crois que vous êtes satisfait. Oui, toute l'émission. Je suis très satisfait parce que c'est une belle fête, en effet. Puis nous voyons nos sportifs faire des exploits inhabituels. Et je dis bravo aux organisateurs des héros d'une soirée. Écoutez, moi, je suis très fière de nos quatre candidats parce qu'ils nous ont offert une soirée fantastique. Alors, je voudrais encore ici, à Chaumont, qu'on les applaudisse bien fort. Aussi, je vous entends, Réa Paris. Parce que les uns comme les autres, ils le méritent. Je vous assure que ce qu'on leur propose, c'est pas évident du tout. Nous avons les trompettes de Chaumont qui sont avec nous ce soir. Et figurez-vous qu'ils fêtent leur 40e anniversaire cette année. Ils vont jouer dans un tout petit instant. On les écoute, Michel. Ensuite, la fête commence. L'hôtel de ville va s'embraser. Et merci à vous tous à Chaumont. Merci. Vive la trompette de Chaumont. Eh bien, nous avons prévu une soirée de fête, d'émotion, de vie. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Thank you.